Et donc salut à tous et à toutes, c'est Afters Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un nouveau jeu gratuit qui est sorti récemment sur Steam gratuit. Alors vous pourrez le trouver dans l'onglet gratuit dans Steam, dans le magasin. Comparé aux autres modes, il y a marqué mode DB mais il est disponible en gratuit. Donc No More Room in Hell est un jeu de survie avec des zombies. Vous êtes un survivant, enfin, vous incarnez un survivant qui est par exemple dans une maison et il y a plusieurs zombies qui veulent votre peau tout simplement. Et puis vous devez trouver des armes, des barricades, enfin tout l'équipement nécessaire pour pouvoir survivre. Donc je vais lancer une partie, enfin, j'ai fait crit find. J'espère que ça va pas. Le son, j'espère qu'il est bon, on va aller dans cette partie comme ça. Ouais, par contre c'est un peu gore hein. Hop, on peut voir le download de la map, elle est assez rapide. Franchement ce jeu il me plaît beaucoup parce que enfin j'aime beaucoup les jeux, enfin j'ai envie d'un jeu comme DayZ, sauf que là c'est la première personne, on va dire que c'est à peu près pareil. Sauf que la map elle est pas aussi grande. Enfin, sans le savoir, la map elle est assez grande. En pensant qu'il n'y a qu'une maison, alors qu'en fait il y a énormément autour. Donc là, je sais pas, la map, j'ai pas l'air de l'avoir fait. Franchement, le jeu il est très très bien fait. Hein. Je le conseille vraiment. Donc normalement, je devais pas faire une vidéo sur ce jeu là, je devais faire sur un autre jeu. Mais vu que j'ai conseillé ce jeu à un pote, il voudrait savoir un petit peu à peu près dans quoi il va jouer, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu pour lui et pour le faire découvrir simplement. Donc j'espère que ça va vite se lancer. Ok, ça va partir. Voilà, ok, ça devrait être bon. Ok, ouais, alors j'espère que mon PC ne va pas crash parce que j'ai joué. Hop, c'est bon, je suis déjà en survivance, c'est pas mal. Là, je vais vous dire ça tout à l'heure. Franchement, le jeu il est pas mal fait. Enfin, il est assez mal fait. Oui, un zombie. Faut vite que je trouve des. Parce que la possibilité d'amener. Donc, ça. Alors, ce serait bien que je trouve une bête de baseball ou un truc comme ça. Un truc qui permet de me défendre. Ça va vraiment pas mal. Parce que là, il y a des zombies. Moi, je n'ai rien pour me défendre. Ce serait dommage que je le joue en direct. Alors, par contre, dommage qu'on ne voit pas énormément. Ah, yes. Ça. Bon, c'est parti. Oula, ça arrive. On va aller par là. Bon, on a la possibilité de sprinter. 37A, justement. Hop. Un flingue. Le mec il a lâché plein de trucs quand même. Ah, est-ce que j'ai des balles dans ce flingue? Je sais pas. Mais... bon, on a la possibilité de viser, ce qui est vraiment pas mal. Un top kiwoki, je vais le prendre. Donc E pour prendre les objets. Hein. Et je crois que c'est G ou H. À mon avis c'est G pour pouvoir les balancer. Hop, tiens, il y a une petite torche, une lampe torche qui est pas mal. Des balles, un autre flingue. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Mince, trompé de touche. Ok, on voit pas, tant pis. Alors, oh merde. Allez, on va pouvoir. Ok, ça a déjà fait. On est bien. Ça merde. Voilà, ok. Alors, par contre, ce qui est un petit peu énervant, c'est qu'on n'a pas la recharge automatique. C'est-à-dire que quand vous avez plus de balles, et ben c'est vous qui devez recharger. Là, je sais pas si j'ai des balles. Il n'y a pas l'air d'avoir. Il n'y a plus l'air d'avoir des zombies. Franchement, ce jeu il est énorme. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite téléchargé. En fait, il n'y avait pas vraiment de soucis. Donc, tenez, je vais vous montrer pour lancer un objet parce que j'ai des trucs qui servent à rien. Alors, c'est G. Ouais, voilà, c'est G, d'accord. Oula merde. Je vous conseille, franchement, si vous voyez une lampe torche, de la prendre parce que le. C'est pas énorme le briquet qu'on a au début. Là, il y a plus l'air d'avoir des zombies dehors. Ça a l'air d'être bon, hein. Ouais, je vais éviter de m'aventurer tout seul. Parce qu'il faut croire que c'est vraiment un jeu multijoueur.
franchement, bah quand on meurt, faut attendre que je crois que le, enfin la partie se termine ou tout le monde meurt, comme ça. Je crois, parce que moi j'ai vu qu'une partie complète, on va dire. Je sais pas pourquoi je peux plus bouger. D'accord. Ça doit être un bug de ma connexion. Ça commence à baisser. Ok, j'ai un bug de connexion. Ce qui est franchement très chiant. Ouais, je suis à 442. Ah, du coup, on est en train de me bouffer là. Allez, une sortie de téléphone. Bon, allez, voilà. Oh, merci beaucoup. Viens vers toi, je vais te faire. Faut voir, il y a un moment. Oh, d'accord, il y a encore des lags. Il y a un truc. Non, mais il est en train de me bouffer là. Ah, parce que j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. D'accord. Non, c'est parce que j'avais plus de balles. En fait, j'avais pas de lag. Alors, on peut prendre ça pour des vies. Oh, putain. Ok. Ouh, je suis vraiment dans le rouge. Je vais bientôt mourir. Je crois que je suis infecté, je pense, un truc comme ça. Alors faut croire que le jeu est sorti le 31 octobre 2011. Hein. Et là vous allez me dire, mais ouais, il est tout récent sur Steam. Oui, mais j'ai plus de balles dans rien. Ah, ça m'énerve les lags. Enfin, bref, le jeu est sorti le 31 octobre en payant, si je me trompe pas. Il est sorti en payant, ouais, j'ai vraiment des gros lags de connexion, ça m'énerve. Je pense que je vais mourir du coup. Ouais, bah, mort, c'est à cause de ma connexion, hein, excusez-moi. Vous voyez voir, je vais me relever, je m'enlève. Quand on meurt, bien, on peut se balader en arbre dedans, ce qui est franchement qui fait un petit peu laguer. Je sais même pas où je suis là. Oh là là là, plus de rien. Bon, je disais, il est sorti le 31 octobre en payant, et il est sorti récemment sur Steam en gratuit. Franchement, il est pas mal. Faut croire aussi que quand on, enfin, quand on le télécharge avec, on a un éditeur, c'est-à-dire un hammer éditeur, ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire qu'on peut créer nos propres maps, les propres spawns de zombies et tout, ce qui est vraiment pas mal. Franchement, vous voyez là ici, il y a un spawn de zombies, je crois, parce qu'il y a un zombie qui apparaît. C'est vraiment pas mal. Ok. Yep. Ouais, bah, je vais arrêter la vidéo ici. C'était une courte vidéo, mais franchement, je vous conseille de télécharger ce jeu. Il fait pas beaucoup de gigas, je crois qu'il fait à peine 3. Hein. C'est pas énorme, on peut dire. Franchement, c'est pas énorme du tout. La prochaine vidéo sera je l'espère samedi. Oui, samedi ou dimanche, je crois que c'est dimanche. Ouais. Ah, bah tiens, ça va redémarrer. Ouais, à mon avis, faut attendre qu'il tue un nombre de zombies et on réapparaît. D'accord. Ouais, donc la partie est toujours en cours, ouais. On peut courir, ça c'est sûr. Ouais, donc la prochaine vidéo sera dimanche sur PS3. Attention, je suis mort, on en fout. Je suis mort. Donc la prochaine vidéo sortira dimanche sur PS3, vu que j'aurai mon Elgato normalement en tout matin, c'est Noël. Et vu que c'est les vacances, il faut en profiter. Donc la vidéo sera vendredi. Bon, je sais pas, on verra bien. Normalement, demain je fais un live, mais vu que c'est Noël, je pense pas. Bah, sur ce, les amis, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook, d'aller sur Twitter aussi. Enfin, tout est dans la description. Hein. Le jeu est disponible sur Steam, gratuit. Ce qui est vraiment pas mal et c'est vraiment un très bon jeu. Abonnez-vous, hein, franchement, pour plus de vidéos. Enfin, ça m'encouragera. Ça m'encourage. Ça va m'encourager à faire plus de vidéos si j'ai plus d'abonnés, on va dire. Et puis sur ce, les gens, joyeux Noël. Et puis bonne année. Ouais, allez, merci d'avoir regardé. On se voit à la prochaine. Ciao, bye tout le monde et joyeux Noël.